Allez, bonjour à tous, bienvenue sur le stream. Aujourd'hui, on reprend Call of Toulouse. Alors, j'espère que ce sera la dernière vidéo, dernière partie. Comme ça, on n'en parle plus jamais. Parce que là, ouais, hier, on a eu droit à des boss, à des trucs de fou. Donc voilà. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne, c'est la dernière. Mon dieu, des dédales de grottes. Labyrinthique le jeu, voilà, c'est le mot qui me viendrait, labyrinthique. Et d'ailleurs, on va reprendre sur une partie du jeu qui est pas facile à comprendre parce que je suis bloqué. Donc hier, j'ai fini par abandonner parce que j'étais complètement bloqué. Donc je sais pas si c'est dû à un bug. Ça part bien. Ah, je viens de voir le Bethesda qui s'est enlevé de l'écran. Je sais pas pourquoi, des fois il pète un câble, le jeu, il fait n'importe quoi. Donc ouais, je disais, hier on était bloqué au fameux endroit de la possession du poisson. Alors dit comme ça, c'est vrai que c'est assez ridicule. Mais vous allez voir pourquoi, ceux qui viennent d'arriver, vous comprendrez par la suite. Donc en fait, on a une arme alien qui tire des éclairs. Voilà, donc ça fait bien mal par là où ça passe. Est-ce que le son du jeu... Ouais, il y a un... C'est bizarre. C'est bizarre qu'il soit aussi fort. Ah, foi, on va comprendre pourquoi. Donc du coup, on était face à un boss. Et je pouvais prendre possession d'un des hommes poissons. De Dagon ou de Hydra, je pense que c'est Hydra. Mais avant ça, il fallait... Voilà. Je tue la majorité des prêtres que je rencontre. Des gars pas très catholiques, on va dire. Et bim! Alors hier, j'avais eu les 4 d'affilée. C'était marrant. Voilà, moins un. J'ai cru qu'il allait mettre un coup de bâton, quoi. J'allais dire, oh, enfoiré. Alors, apparemment, les autres sont pas encore là. Lui, il est toujours là. Et donc, là, on va grimper. Hop. J'ai le cœur qui s'affole. C'est pas grave. Tac, on appuie sur le bouton. On attend que mon personnage se calme un peu. C'est pas gagné. Voilà, donc là il invoque ses créatures de merde. Moins une. Moins deux, on va descendre. Ah, je pensais que ça allait toucher l'autre. Et voilà, moins quatre. Je me suis cassé la jambe. On va peut-être en profiter pour se soigner très vite. Avant qu'il me renvoie des ennemis. Voilà, donc c'est là que ça va commencer en fait. Réellement à me casser les burnes. Ça c'est pas très grave. Il s'est soigné, il s'est pas soigné. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que en fait le souci vient de ça. Donc il faut que je me mette dans le bassin. Je charge mon arme. Ah, donc là j'attends qu'il y ait le premier ennemi qui arrive. Ah, hop. On retourne dans le bassin. Deuxième ennemi. Et là, normalement, je devrais prendre possession du corps d'un des hommes poissons. Et c'est là que ça va se jouer, en fait. Voilà. Donc là, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Je me suis dit peut-être qu'il faut monter pour pousser les statues, les faire tomber, ou appuyer sur les boutons, ou... Mais même pas. C'est même pas ça. Donc je sais pas, on va peut-être essayer de...
de casser la gueule aux autres hommes poissons, je sais pas. Je sais pas vraiment. Ce combat de triso, quoi. N'arrive pas à se toucher. Allez. Voilà, moins un. Donc du coup, oui, je sais pas ce qu'il faut faire après. Je sais pas s'il faut que je me mange. Parce que ça, c'est moi, en fait. Donc j'ai aucune putain d'idée de ce qu'il faut que je fasse. Tu vois, je me dis, normalement, il doit falloir appuyer sur les autres boutons comme, aïe, comme ça. Mais même pas. Même pas, même pas, même pas. Ah, j'ai appuyé sur un truc. Non. Ça fait le bruit de l'interrupteur en plus, c'est ça le pire. C'est que ça fait vraiment le bruit de l'interrupteur. Bon, je me suis dit. Tu vois, faut peut-être soulever le couvercle ou quoi, mais même pas. Donc, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un souci avec le jeu, que ça a bugué ou. It's written in some kind of ancient language. I'll need to decipher it. According to the text, the doors can only be opened with an ancient chant spoken by someone in possession of a sacred charm. Je sais pas s'il y a peut-être un passage par lequel il faut que je passe ou peut-être dans les grottes s'il y a un passage souterrain. C'est vrai que j'ai pas pensé à. À voir s'il n'y avait pas un passage avec de l'eau ou. Bah, je pense que là, si je saute dans l'eau, je meurs. It's written in some kind of ancient language. Ça me ferait bien rigoler, d'empêche. Enfin, c'est archi noir, je pense que vous y voyez rien, moi aussi, je vous rassure. Je teste. Je vais mourir, à mon avis, mais. Ouais. Bon, parfait. Ça c'est fait. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un souci. Soit il me manque un item, soit il y a un truc auquel j'ai pas fait attention et je sais pas. Je sais pas du tout. Ça on dirait les cornes de brune. Ça, je suis dit que c'est une chapelle. Written in some kind. These are the tablets of Dagon. I can now read some of the last passages. I'll write them down. Il dit je peux lire le dernier passage, je vais les noter. These are the tablets of Dagon. This must be the original. Alors, c'est peut-être ça qui me manque en fait, je sais pas. The Book of Dagon. Donc voilà, depuis hier, je suis bloqué ici. Donc on va trouver une solution, hein, mais... quand, comment ? Ah ben, l'autre aussi, il est mort. Parfait. J'appuie pas sur le bouton, ça se fait pas. Ouais, donc là, je peux rien faire d'autre.
contrôle de l'homme-poisson. Ah, il frappe quand même. Je m'attendais à ce qu'il frappe pas, mais... j'ai de quoi me soigner. Oh, toutes les marques. Et là on voit les mains normales. Voilà, normalement il faudrait que je puisse appuyer là-dessus quoi. Peut-être que je me mette de plus loin. Je peux pas passer à travers, c'est pas possible. Aucun moyen de réussir ce truc quoi, c'est infernal. Ça me semblait crédible de pouvoir casser ça et limite. Alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi eux ils arrivent à ouvrir les couvercles. Enfin les couvercles, les sortes de trucs comme ça, et pourquoi pas moi quoi. C'est ça qui me dégoûte un peu quoi. Alors est-ce qu'il faut pas que je frappe le gong? Non, même pas. Ok, je me suis dit j'en ai eu un, parfait. Ils sont balèzes les deux là. Boum. Aïe. Et boum. Il faut peut-être juste tous les tuer, je sais pas. Ce chant pousse dans mon crâne, il faut que je l'arrête. Ce chant. I'll need to decipher it. The doorway is sealed by some mystical force. C'est peut-être ça, il faut peut-être que je me remette au centre et concentrate with that damn creature's wailing. Oh.
Vite, il faut que je me soigne. Gémissement des autres créatures, c'est ça qu'il veut dire. That song's making my head pound. I gotta block it out. Quel chant il parle? Ah, peut-être en sonnant le gong. Must be near the temple. Putain, j'arrive pas à saisir de quoi il parle. En plus, j'ai rien qui m'explique ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Salut Christopher, ça va mec? These are the tablets of Dagon. Je suis toujours bloqué au même endroit, mec. This must be the source text for Obin's translation, the Book of Dagon. Si t'as la solution, je dis pas non, quoi. Putain, je sais même pas où je vais, là, en fait. Je retourne au début. Bah écoute, ça va. Ça va, je me suis remis sur le jeu, là. Et j'essaye de chercher une solution à ce qu'on faisait hier, quoi, parce que bon, là, je t'avouerai que je sèche, quoi, encore une fois de plus. Le jeu me rend pas la tâche facile, quoi. Y a rien qui est écrit, y a rien qui est développé, c'est légèrement compliqué, quoi. Plus là, les environnements sont pas trop variés, quoi, donc c'est pas très évident. Putain, qu'est-ce qu'il me fait? Je suis bloqué là. Putain, je prends des dégâts à chaque fois, mais venu d'ailleurs. Et pour pas grand-chose. Non ! Bon, bah, je suis mort. Ouais, je sais pas du tout comment m'en sortir. Alors, le personnage me dit qu'il faut que j'arrête le chant des... qui lui prend la tête. Oui, tu m'as fait rigoler sur Minecraft. Tu m'as fait rire. Ça, c'est une plateforme qui est en dessous? Non, c'est juste ça, y a rien de plus. Putain, j'allais dire, je peux plus remonter. Non. Tu vois, je me dis, si on est un homme poisson, on devrait pouvoir aller dans l'eau, quoi, c'est logique. Ça serait carrément logique. Mais non. Mais non. C'est dommage. Essaye de voir si tu peux m'aider, Christopher, s'il te plaît. J'aimerais bien débloquer la situation. Là, il me tire des boules. Merci, mec. Zing. Ah, putain, je crois pas, j'ai raté comme une merde.
fragiles, les prêtres, en fait. De défiler. C'est toujours un plaisir. Boum! Et les deux autres d'affilée. Ah, t'as trouvé la fin mais pas la partie où je suis. C'est embêtant. C'est la partie où je me transforme en poisson. Cherche homme poisson. Can't concentrate with that damn creature's wailing. Voilà, tu vois. Et là, il me parle de gémissement. Mais sauf que je comprends pas. Je comprends pas du tout. C'est bien beau de me parler de gémissement, mais. Là, je peux pas éteindre ça. Je vais voir dans les options. Option de la manette, option avancée. Mode furtif basculer, non. Configuration des touches. Passer la scène. Viser, tirer. Se pencher à gauche, regard latéral, action, inventaire, soin rapide. Non, j'ai toutes les caractéristiques spéciales. Non, ça me semble bizarre. Je dois frapper deux fois les leviers. Ça marche pas du tout, mec. Que dalle! Que dalle, que dalle, que dalle. C'est ça qu'il faut que je fasse normalement? Que je frappe ces leviers là? Ouais, bah c'est ce que je fais. C'est la touche de tir quand je file des... quand je file des coups comme ça, des coups de patte. Et là, voilà, je me fais frapper par lui à chaque fois, donc... Enfin, à chaque fois, j'ai un ennemi qui vient me titiller, quoi. Deux à chaque fois là maintenant. Il y a marqué quoi de plus? Ah.
Non, je peux pas le regarder, mec. Je peux pas regarder parce que si je quitte l'écran, ça me... Bon, vas-y, envoie sur Discord, je regarderai avec le téléphone. Ou alors, c'est le jeu qui est buggé, en fait. Hein. C'est pas impossible que ça soit ça. Hein. Je leur mets des gifles à chaque fois. Normalement, l'eau devrait monter. Ouais, mais ça marche pas du tout. Tu vas voir que je suis encore en train de me frapper un bug à tous les coups, quoi. Fais les 4 pour être sûr. Je les ai fait les 4. 2. Voilà. Et il n'y a rien qui bouge. Que dalle. Voilà, tu vois. Il bouge pas. J'essaye d'appuyer comme un malade partout, mais... Comme si je frappais dans le vent, quoi, en fait. En plus, c'est chiant, parce que quand tu fais des coups ennemis, tu passes à travers, des fois. Aïe. Un homme poisson. That song's making my head pound. I gotta block it out. Tu vois, je veux bien l'arrêter le coup du chant, mais Attends, je vais mettre pause. Je vais mettre pause et je vais aller voir sur jeuxvideo.com ou un truc comme ça, quoi. Putain, c'est chiant, quoi. Regardez s'il n'y a pas des problèmes. Je suis à quel chapitre? Bonne question. Je dois en être dans les derniers ou avant-derniers, je sais pas. Dans les environs, vraiment, quoi. Bloqué à l'attaque des hommes poissons. Ah non, rien à voir. Oh putain, à chaque fois il me retourne là-dessus.
Normalement, tu dois frapper deux fois les leviers pour les activer. Touche de tir. Évite absolument les touches pas de côté, ça devrait le faire. Ma foi, les gens ils parlent de la touche tir. Enfin, la touche tir, on est bien d'accord que c'est voilà, tir 1. Non, il y a un vrai problème, le jeu. Le jeu il bug, mais vraiment quoi. C'est putain, ça me fait chier quoi. À moins est-ce que faut que je refasse ça. Non, même pas, que dalle. Putain, ça me ferait chier de crever encore là pour rien. Ouais, que dalle, que dalle, que dalle. Alors là, le jeu va bugger et va planter parce que je suis sorti de ça. Putain, c'est gavant. C'est vraiment gavant, gavant, gavant. Alors, j'avais téléchargé un truc exprès pour le patcher, le jeu. Je vais voir s'il y a peut-être la solution à l'intérieur ou quoi. Ouais, je sais, le premier levier doit être fait en tant qu'humain, ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est pour la suite. C'est pour la suite du jeu que c'est le problème. C'est une fois que je suis transformé, à chaque fois que j'agrippe les leviers, ça fonctionne pas, tu vois. Donc, skip the blue light bug, ça c'est ok. Et ouais, il y a vraiment un souci. Non, j'ai beau regarder, y a rien quoi. Alors ça me fait chier parce que tu vois, je me dis qu'on est quasiment à la fin du jeu et putain franchement ça me casserait les burnes que ça marche pas. Je sais pas si c'est la faute à un patch. Si c'est un bug graphique ou autre chose, je sais pas du tout. Mais ouais, c'est la fin du jeu, c'est ça qui est gavant, quoi. En plus c'est ça, c'est bien Hydra quoi, mais
Et ouais, voilà, c'est ça, hein. Le mec dit que c'est bien bug, quoi. En fait, c'est ça, il dit qu'il n'arrive pas à se concentrer à cause des chants. Donc, il faut utiliser le gong. Quand tu utilises le gong, tu peux te concentrer pour pouvoir faire ce qu'il faut. Ça va être compliqué, quoi. Ah oui, là c'est pas mal. Si j'arrive à garder la ligne comme ça, je vais essayer après. Peut-être que c'est ça en fait le souci. Voilà. Tac. Oh le con! Putain! Ça aussi, c'est gavant. Tu vois pas où tu mets les pieds des fois, alors du coup tu tombes jusqu'en bas. Et vu que t'es pas assez résistant, bah, tu meurs comme une pauvre merde, quoi. Ça me gave quand ça le fait. Putain, la prochaine fois je me sers plus de du truc électrique parce que aucun impact ça quoi. Le fail du stream, ouais c'est pas le fail du stream en fait hein. C'est vraiment le jeu qui fait de la merde quoi. On va descendre correctement, nickel. Il y en a encore un. Voilà. Donc là, on attend. On charge à bloc. Je sais pas si ça l'a touché. Mais il faut se mettre prêt pour assurer. Ah putain. Et là il a fait rip-hop. Voilà. On va vite se rendre là-bas. Voilà. Allez go. Peut-être ça qui me manquait, vu que je le faisais pas dans l'ordre. Donc là, je suis en poisson. Ok. Donc là. Putain, là, ça marche! Tu vois, en fait, c'était juste ça. En fait, c'était juste... C'est juste ça, en fait, le délire à faire. C'est qu'il faut... Faut aller à chaque fois activer le gong, quoi. En fait, c'est ça qui me manquait. Ah, putain, il fait chier, lui.
Ouais, c'est vraiment un truc à la con, quoi. Putain, j'y crois pas, ça a duré 2 secondes, le gong. Allez, vite, 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 vite. Voilà. Hop. Hop. Et bim. Là, il m'en rend encore des créatures. Allez, go, 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 go. Alors, je sais pas, c'est lequel qui me manque. Lui, c'est fait. Je crois que c'est lui qu'il faut que je fasse. Tac. Et il m'en manque plus qu'un. Je crois que c'est celui qui est tout au fond. Et après, on sera bon. Je vais attendre qu'il descende. Ouf, les deux d'affilée. Trop bien. Ouais, franchement, c'est chiant parce qu'ils auraient pu le faire en une seule fois, tu vois. Allez, normalement, là, ça devrait passer. Si je fais pas l'idiot, que je tombe pas de d'en haut des escaliers. En plus, c'est vraiment le boss le plus simple, le plus con que j'ai jamais vu, quoi, en traître, donc... Mais tu vois, il me manquait juste le coup du gong. En plus, j'y ai pensé, tu vois, utiliser le gong. C'est ça qui m'énerve. Mais je pensais pas qu'il fallait le charger jusqu'au bout, quoi. Voilà. Là, c'est bon, ça a marché, là. Là, j'ai les 4. Non! 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 Putain! Ah! Putain! J'y crois pas! Oh! Putain, que ça me casse les couilles, quoi! Putain, j'hallucine! Ah non, mais c'est sérieux, quoi! Putain! Oh, comme ça me... Oh! Putain, les 4 fois, je le fais, quoi! Oh, il me met un coup, quoi! C'est fini, quoi! Oh putain, ce jeu, mais ce jeu, il m'énerve. Ah, il me fout la rage. Ah, putain, obligé de tout refaire, là. Oh, comme il me gave, ce jeu, là. Oh, putain. Oh là 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 là. Allez, bouge, bordel de merde. Putain, je déteste perdre du temps comme ça. C'est ridicule. Don't get me.
Allez, bouge, bordel. Voilà, il en manque un. Voilà. C'est parti. Oh, putain, ça 4 fois, re mec. Ça, il faut que je le fasse 4 fois. Putain, tout à l'heure, je sais pas si t'étais là, je l'ai fait 4 fois. Et à la 4ème fois, quoi, le jeu, il m'a séché, quoi. Le mob, il m'a mis un coup, je suis mort. Là, il faut tout que je refasse, quoi. Et ouais, je suis mort. Putain, il m'a fait péter. Quoi? Non, sans déconner, quoi. Ah non, mais là j'hallucine complet, quoi. Putain. Mais... Oh, comme c'est en train de me gonfler. Oh mais il branle quoi le jeu là? Putain, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que tout à l'heure ça fonctionnait. Tout à l'heure sans le gong ça fonctionnait. Et oh comme ça me gonfle, mais chaud chaud chaud. Le jeu me facilite vraiment pas la vie. Putain, t'imagines la 4 fois comme ça là. Putain, j'ai fait la même chose que tout à l'heure. Et il est allé me sortir des ennemis. Bien, je tire à côté, nickel. Voilà, et là ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le gong en bas qui s'est remis. J'ai pas eu le temps de le mettre comme il faut. Voilà. Oh putain, je vais hurler. Oh, je vais hurler, ça me gonfle. C'est n'importe quoi. C'est juste ridicule. Ah oui, j'ai pas activé le truc.
go, 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 go. Ah, donc là, t'as le temps de te concentrer, me fais pas le coup, hein. Et dingue. Ah! Putain, j'allais faire le deuxième, j'ai pas eu le temps. Allez, en avant pour le deuxième. Je prends les virages bien larges parce que on sait jamais. Voilà, trop cool. Hop, deuxième levier. Voilà. Et j'ai pas eu le temps. Oula, 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 je me fais déjà agresser. On va laisser venir l'autre. Là, il me reste que les deux à gauche à faire. J'espère qu'il n'en a pas fait pop d'autres. En plus, j'ai la jambe qui est pétée. Ok, good. Vite, 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 vite. Voilà. Allez. On y croit, on y croit, on y croit. Vite, 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 vite. Là normalement, je sais plus s'il me reste plus qu'un ou quoi. Je crois qu'il doit m'en rester un que j'ai pas fait, je sais pas. Les deux d'affilée, je sais pas s'il y en a encore un. Il y en avait encore un.
J'espère que ça va passer cette fois-ci parce que... C'est lequel qui me manque ? J'ai fait les quatre leviers ? Alors là, je suis paumé là. Là, j'ai fait les quatre leviers, je comprends pas du tout quoi. Ah d'accord. Waouh, yes. Pas l'air très heureux. Oui. Peux-tu faire une sauvegarde? Oui. Enfin, putain. Bah ben, voilà, on a tué Hydra, trop cool. Ça y est, c'est la folie. Par contre, je vais vite me soigner parce que là ça va pas du tout. Je crois que c'est une des séquences de jeu les plus chiantes du jeu, mais vraiment quoi. C'était n'importe quoi. Puis c'est pareil, le personnage, t'as l'impression qu'il va deux à l'heure, quoi, qu'il marche, qu'il est ultra lourd. C'est chiant quoi. It's written in some kind of ancient language. Allez, mets l'artefact. Fanu Naemna, Bagliz Kafungin, Kathavahel, Kulth Cthulhu Kafungni, Ia Rigazengaro. Ia Hydra. Super. Ah d'accord, on a en fait tout ça pour ça. On est revenu juste ici, quoi. Oh putain, la loose. Enculerie suprême. Oula. Ah, je savais bien que ça allait nous attaquer au bout d'un moment. Super. Exactement ce que j'avais prévu. La cité sous-marine est attaquée. Je savais bien que ça allait se terminer comme ça. Oula. Oh. Putain! J'ai sauté, quoi! Oh, ça me gonfle! Le jeu, quand il fait chier comme ça, putain! Et en plus, il faut encore que je me re-soigne. Ouah, tu veux pas péter un câble, quoi? Alors du coup, voilà, une fois que je me serai soigné, je vais re-sauvegarder. Oh, ce jeu, c'est une putain de plaie! Mais ouverte quoi. Y a pas un truc pour aller plus vite, genre comme dans Counter ou un truc comme ça, tu vois, tu prends le couteau, tu cours beaucoup plus vite. Non, même pas quoi. Même pas. It's written. Mais je sais que c'est écrit comme ça. Putain, on peut même pas le passer, ça, on est obligé de se le braquer à chaque fois quoi, c'est une blague. T'imagines, tu meurs à chaque fois, t'es obligé de te braquer ça. C'est une blague. Et en plus, t'as même pas de point de sauvegarde, quoi. Ouais, j'ai réussi à passer, mais bon. Là, maintenant, il y a tout qui... Il y a les militaires avec le sous-marin qui attaque. Qui attaque la base sous-marine. Donc du coup, il faut que je m'échappe de la base. Bon courage. Alors, je vois à peu près le chemin... par lequel passer, tu vois, mais bon. En plus, tu te prends des dégâts à la con comme ça, c'est ridicule. Ah, voilà. Là, il a sauté, là.
Donc là, il faut que je me dépêche. Pouah, c'est chaud là. Oh putain, je pourrais pas passer par là. Faut que je fasse le tour. Donc normalement, voilà, on doit pouvoir passer par en haut. Heureusement que je connais le chemin par cœur parce que... Oh non! Non mais sérieux quoi! Sans déconner! Comment t'es censé le savoir que ça va tomber là quoi? Putain! Ah non mais sans déconner! Ça devrait pas arriver ça! Ça devrait être la fuite, tu devrais tracer, et ça devrait être à la limite cinématographique, quoi. Tu vois les rochers tomber, il y a l'eau qui monte et tout. Mais pas ça. Là, je me prends des rochers sur la gueule, comment tu veux que je les vois, quoi? Hein, regarde en l'air. Ouais, mais encore. C'est Sandek, quoi. Putain. Ah non, mais le jeu, c'est une plaie, quoi. Putain, en plus, je suis allé super loin, quoi. Je suis allé super, super loin, quoi. Et t'as aucun point de sauvegarde, rien. T'es obligé de te refrapper tout ça à chaque fois, quoi. C'est n'importe quoi. Ah, je suis très en colère de certains pans du jeu, parce que autant il y a des choses qui sont très bonnes, autant il y a des choses, mais ignobles, quoi. Qui devraient pas exister, quoi. Putain, un jeu, ça devrait pas être comme ça, quoi. Mais c'est vraiment parce... Hein ? Oh non ! Oh non ! Non ! Putain ! Mais non, quoi ! Mais juste non ! Non, 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 quoi ! Putain, que ça me gonfle ! Que ça me fait chier! Aïe, ah non, mais le jeu, il m'a fait sauter en l'air, quoi. Il faut arrêter, quoi. Le jeu, il me prend trop pour un con, quoi. Il se fout trop de ma gueule, quoi. Putain. Il est archi buggé, quoi, mais... Mais non, regarde! Regarde! Putain, maintenant j'ai la jambe cassée, quoi. C'est nawak. Non, mais sérieusement, quoi. C'est clairement pas du jeu, quoi. Bon, mais je vais me soigner, écoute, hein. Voilà, j'ai... Et voilà, forcément, quoi. Oh, mais comme ça me saoule, putain. Oh, tout à l'heure, je suis arrivé jusqu'en haut, tranquille. Et là, j'arrive pas à avancer, quoi, parce que le jeu, il veut pas me laisser avancer. Ah, mais c'est abusé. Abusé, quoi. En plus, à chaque fois, obligé de se refrapper ça. Allez. Non mais franchement, putain, les mecs ils ont codé ça avec le cul, quoi, c'est... En plus c'est pas la première fois que je passe à travers le décor. Ça fait 2-3 fois, quoi. Ça commence à bien faire, quoi. Allez, passe la cinématique.
Je vais passer sur le côté cette fois-ci. Voilà, au moins comme ça. Bon. Attention, attention le jump. C'est bon. Ça passe, ça passe. Allez, go, 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 go. On trace. On récupère le temps. Bon, j'espère que je vais passer par la bonne route. Parce que tant, c'est peut-être ça tout à l'heure qui est arrivé. C'est que je suis pas passé par la bonne route. Mais bon, ça m'étonnerait. Parce que la seule issue, justement, c'est par en haut. Moins qu'il y en ait une autre, mais ça m'étonnerait. Non, il n'y en a pas d'autre. Je pensais que c'était par le laboratoire, peut-être. Mais non, non. Non, c'est bien par en haut. Mais il doit y avoir quelque chose. Je sais pas, un rocher qui m'est tombé sur la gueule ou j'en sais rien. Et voilà! Mais comment je suis censé faire? Comment je suis censé passer ça, quoi? En plus, tu l'entends le missile. Comment je suis censé passer ça, quoi? Alors, alors, je me suis dit, tu vois, est-ce qu'il faut que j'attende que le missile détruise le truc pour que je puisse passer ou. Putain! Oh, c'est infernal, quoi! Behuin and Kugnath, Fanu Naemna, Bagliz Kafungin, Kathar. Il faut peut-être que je passe avant le missile, mais bon, bon courage, quoi! Il faut que je trace ma race! Aïe, Hydra. Aïe, 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 aïe! Je trace comme un ouf, quoi, mais. Ouf! J'ai failli tomber. Il chiale sa mère, le personnage. Voilà, là ça passe quoi. Tu sais pas pourquoi, mais ça passe. Putain, c'est n'importe quoi. Je reste vigilant parce que. Ah, peut-être le portail, le portail, le portail. Vite, vite, vite. Je vois où on va sortir dans le manoir. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Vite, 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 vite. Vite. Allume le portail, vite.
Jack. Why have you summoned me? There is something I must show you. We must hurry. Time is short. Where are we going? The Great Library. A terrible conflict is upon us, and our hosts will not survive it. The keenest minds are already projecting to later days. Who will be the enemy? There have been no ructions with either the Migo in the north or Cthulhu's kin to the south. In your wanderings, did you come upon the vast sealed trapdoors at the foundation of the old city? Yes, but I didn't understand their purpose. There was a terrible war between us and a race of half-polypus creatures that had been dominant until our arrival. This volume tells of that bloody period. Why are you showing me this now? They are still down there, Jack. Thriving in the darkness. They're plotting. Plotting to break free of their bonds and wreak a terrible revenge. The end is inevitable. And close. Very close. How much time do we have? What the hell was that? You are no longer safe. Follow me. This is the end. Where am I supposed to go? It's time for you to go back. Back? Yes, back to your home. Before you leave, there is something more than me. Il est moche, lui aussi. What is this place? The human mind is too delicate a fabric for the return displacement. It could easily tear. Your memories of Nokotas must be clean. Will I remember nothing this place? 6 years of my life, and for nothing? When the time comes, you will remember. We will be waiting in the shadows of your dreams. These riddles make no sense. What was it I needed to know? Did you ever wonder about your visions? Nightmares. It came with the territory. Sometimes it helped with the cases. Bad dreams are never that accurate. You are different from the rest of your race, Jack. Your father could see it. Suicide was his escape from the truth. What's this got to do with him? He has been here too. He was displaced. Just moments before you were conceived. I was the transferred mind. What are you saying? That you were my father? Not entirely. You are not of our kind. But neither are you completely human. Putain, ce scénario ultra compliqué sur la fin du jeu, quoi. Oh putain. Orion, 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 Orion.
Adieu, Jack. Allez hop, adieu. Ouais, moi aussi, je te rassure. J'ai pas tout compris, oui, oui. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Je crois que ça va se terminer comme ça. Mr. Walters? Mr. Walters? Can you hear me? Mr. Walters? He's convulsing. We're losing him. Bon, en fait, c'était peut-être son père, ça, qui était en prison. En prison, en hôpital psychiatrique. Ah non, 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 c'était lui. Wow. Rentre dans le mythe, rentre D quoi. Oh, terminé à 93%, bon ça va. Dans 7h36, hémorragie moyen, état mental, cliniquement fou. Précision de l'arme 55%, mission tirée, touche. Ennemi tué 157. Sauvegarde faite 57, excès de drogue normal. Alors du coup je sais pas si s'il y a d'autres fins. Félicitations, on est débloqué un nouveau réglage de difficulté, trop bien. Je vous avais atteint un nouveau record, trop bien. Et voilà, super. Eh ben GG. Eh ben voilà qui termine notre aventure. Alors je vais me mettre en écran IRL. Quoi dire. Je vais faire un petit tour sur JVC. Voir si effectivement il y a d'autres fins au jeu ou pas. Ou pas du tout. Je suis à la fois dégoûté comme à la fois... Enfin, la fin est dure quand même. Hein. Même visuellement, je la trouve quand même assez chaude. Parce que bon, au final, ça se termine par le suicide de ton personnage, il devient complètement timbré. Donc c'est pas... J'avais marqué Call of Duty, moi, putain. Call of Tulu. Ouais, donc c'est pas terrible, en fait. Hein. Alors, tac. Je vais taper fin. Alors, je l'ai fini. Ending, Wolfou... Full ending. À full ending, 100% rang A. Alors, est-ce que il y a quelque chose de plus? Non. Non, il y a rien du tout de plus. Ça se termine par son suicide aussi. Le mec, il a fini le jeu à 100%. C'est trop drôle. Le mec, il a fini le jeu à 100% et il a un rang B. C'est rigolo, quoi. Le mec, il a fini alors à 100% en moins de 5 heures avec moins de 5 sauvegardes et le mec, il a rang B, quoi. Et du coup, il marque, ouais, c'est sérieux, Bethesda, vous foutez de ma gueule. Aïe, n'importe quoi. Bon, et ben voilà, c'était Call of Tulu, Dark Path on the Earth. Je vous souhaite une bonne après-midi, et puis je vais aller faire autre chose de ma vie, peut-être re-streamer sur autre chose tout à l'heure. Allez, ciao !